Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui dans l'émission pour là qui parle autre que mon éditorial avec Yannick. Bon, aujourd'hui là nous avons remarqué ma valeur. Nous connaissons aujourd'hui à son journée tête chargée liée toute fanatique brésilien. Yo mobilisé, yo motivé là pour y aller faire zin. Nous sommes juste à côté voisin, hein? Donc tout le monde préparé là pour regarder qui ça Brésil pour le remettre et après ça Portugal vient faire là. Donc nous obligés faire émission bonheur pour libérer tout fanatique pour gagner temps devant là pour enjoy match. Mais faut moi dis nous dans ça qui est pour avec dossier politique situation pas changer bagaille vient plus compliqué là pour dirigeants politiques nous nèg y a marron nèg y a couri vendre bien au te gain parce que bagaille là on ti gens vraiment mangomé puisque département d'état américain annoncé la li camper red coup piquette d'ailleurs toute décision pays Canada prend pour sanctionner politiciens haïtiens yo joine qui a financé gang qui a financé violence criminelle en dedans pays qui s'est allié bandi cap touyer malheureuse en dedans pays et nous connaît déjà qui décision Canada prend là gagne plusieurs personnalités politiques sont gagné ancien président Michel Martelly qui en bas sanction Canada gagne Laurent Lamotte ancien premier ministre qui en bas sanction Canada gagne ancien premier ministre Jean Rissier qui en bas sanction ancien député ancien parlementaire etc parlementaire en fonction yo tout yo en bas sanction pays Canada pour qui raison il a financé gang, il a pas alimenté violence, il a en collusion avec bandits. Donc, pas besoin de parler ça qu'a fait dans le pays. Là, pas besoin de parler qui marche pressé. Gain ancien président Michel Martelly, nous apprenons là, c'est monter descendre la en République Dominicaine. Pour moi, novembre seulement là, il a fait deux voyages, nous apprenons en République Dominicaine. Le 8 novembre passé, il descend en République Dominicaine. Qui ça l'a fait? Est-ce que c'est liquide et commencer à liquider bien? Est-ce que c'est réunion et a fait pour jouer une prête? Non, pour passer bien? Et le 22 à la, il saute République Dominicaine encore. Donc, c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Et il y a une information qui est extrêmement importante. Grand sénateur de la République là, qui en bas sur Canada, nèg gen villa, nèg yo gen gros villa, nèg yo gen paquet pompe gasoline et en République Dominicaine, nèg yo plein bien en République Dominicaine et information qui rive jwenn mwen, gon yacht qui évalué à près de 18 millions de dollars américains. Là, c'est négociation qu'a fait même le t'a joint 8 millions de dollars, li paré pour liquider parce que c'est bien à liquider parce que là, sanction administrative pour contre nèg yo, y a gelé avoir yo, y a saisi caillou, y a saisi bien yo, nèg yo gon marché pressé derrière yo là. Et faut moi dis nous, décision sanction que pays Canada prend contre nèg za yo sanction yo, oui, sanction yo vrai. C'est des sanctions administratives, c'est vrai. Il y a des recours administratifs que nèg yo ka fè tout si yo vle parce que j'ai remetté non sous liste comme ça yo ka retirer non sous liste. Bon ensemble de procédures yo ka suivre. Mais problème qui gen là dans ka pays Canada qui différent de États-Unis, Canada lui-même sanction yo c'est Justin Trudeau, c'est premier ministre qui prend yo même alors que aux États-Unis sont institutions qui prononcent yo. Donc là si tu as un recours pour nèg yo faire, si tu as un par exemple recours gracieux pour nèg yo faire ou bien on recours hiérarchique pour nèg yo ta faire, c'est déjà autorité supérieure la autorité hiérarchique qui prend sanction, c'est lui même qui prononce elle. Donc on y a ces tonnes de dossiers dans tribunal vina avec des moyens de défense, vina avec preuve pour dire que mais voilà voilà mais quand on fait l'argent on pas dans corruption vraiment, vina avec preuve pour dire pas dans financer gang et montrer que on pas dans corruption c'est extrêmement difficile et surtout en Haïti on pays côté que tout problème yo qui mettait nous côté nous là c'est des problèmes de corruption, je venais de dire si pays a cinq problèmes corruption 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 donc on pas besoin d'où. Comment le bras paraît extrêmement difficile pour Nexao t'a prouvé que vous parlez de corruption. Et d'ailleurs, vous regardez toute sanction États-Unis, Canada prend compte personnalité politique ça. Yo dou, c'est Nexao qui a utilisé fonction yo pour faire corruption, c'est Nexao qui a utilisé fonction yo pour faire malversation. Pendant yon en fonction yo, il a fait assassinat. Donc, à tous les coups, le bras vient paraît presque impossible pour Nexao pour montrer que vous pas utilisé fonction yo pour faire un coup de bas. Vous pas utilisé fonction yo pour faire un magouille. Donc, ça a passé là, que t'es aux États-Unis, que t'es au Canada, qui concerne les sanctions que le pays ça reprend contre l'autorité en dehors de la République, contre ancien sénateur, contre sénateur en fonction, contre ancien président, ancien premier ministre, ces sanctions qui vraies. Donc, on y est. Ça qui paraît intéressant, c'est nèg sa yo qui pendant petit temps là, pendant que vous entendez les procédures là, li appliquées de manière définitive, yo saisi bien, yo saisi kayo.
nèg sa yo ki commencé à faire stratégie, la faire tactique pour yo, ouais, est-ce que yo ka faire, est-ce que yo ka changer nom moun, est-ce que yo ka joindre des prêts non pour yo mettre et sous bien yo, est-ce que yo ka gete liquider bien yo. Canada clair, pays Canada a visé tout moun, que le te citoyen canadien, que le te entreprise institution au Canada, n'importe moun qui fait partie de l'ISA, l'ISA sanctionné que pays Canada mette de yo là. N'importe Canadien, n'importe institution au Canada ou bien n'importe pays l'taïa là qui te ratifié, qui te admettre que qui te voté conseil résolution 2653 Conseil sécurité Nations Unies pour aider Haïti combattre insécurité, combattre violence gang, n'importe pays ça yo qui t'a dit là avec nèg sa yo que Canada sanctionné, que États-Unis sanctionné, automatiquement y a tombé en bas sanction la loi tout. Parce que nèg sa yo c'est des quatre marqués yo yé, nèg qui a financé gang, nèg qui a fait trafic d'armes dedans pays yan, nèg qui a fait trafic drogue dedans pays yan, c'est quatre marqués yo yé. Donc dans moment là, c'est ton soit faire recours pour laver non, pour clean non, ou bien ton le dossier devant la justice dans le tribunal ou elle défendre tout. La défense est de droit sa cour ou gen toute liberté pour défendre tout. Mais c'est pas jeune ouais nèg a fait en Haïti là pour utiliser micro la presse à payer journaliste vinn défendre tout comme si c'est dans tribunal yo. Et nèg sa journaliste sa yo tellement sans conscience, yo tellement vicieux, ti grand ou ti soussou, yo chita a fait défense oligarque corrompu, y a fait défense corrompu nèg qui crase pays, y a fait ti figure ba pou yo dou nèg sa yo c'est foule la yo t'a fait en coup dans dossier Laurent Lamotte lan. L'autre don journaliste dou c'est comme si c'est fou là la mot ta fait li connaît effectivement pas de bon question de 25 stade c'est depuis sous préval dossier a té là c'est vinil vinavel pour té ka faire ou mettre projecteur sur lui mais ça yo pas un moyen de défense, ça yo pas un moyen de défense alors que nous gagoter l'argent près de Caraïbes kounya comme excuse n'a vinn di peuple c'est fou là qui t'a fait. C'est pour yoter ka citer non nous, c'est pour yoter ka mettre projecteur sur nous, pour yoter dire nous nou, et la mot, et puis bon premier ministre qui t'est passé en dedans pays. Mais non, jodi an là on fasse vérité et d'ailleurs si gagne yo dou si gagne pi gros preuve ka bay c'est temps qui permet preuve l'an li assimiler. Jodi an là l'op chercher 25 ça côté wè yo. Le temps c'est le meilleur des preuves. Donc jodi an là côté preuve l'an. Côté preuve l'an. Faut nous admettre que nèg yo fait corruption, nèg yo gaboter l'argent de Caraïbes, nèg yo dilapider l'argent de Caraïbes pour développement pays, pour développement paquet projet communauté en dedans pays. Jodi yo faut que yo d'accord que yo participer dans corruption. Oui, yo fait corruption, l'argent CIRH, yo fait corruption avec yo détournel. Sinon jodi an, les n'a parlé de projet et courant 24/24, li pa d'après ton projet, li pa d'après ton rêve. Jodi yo faut que pays te kagé courant 24/24. Même le bate ka 24/24, au moins 23/24, nous pas gen courant, nous pas gen politique pour moun ramasse pour ramasser vadra, nous pas gen politique environnementale, nous pas même besoin parler de la justice, nous craser toute institution sa yo pour qui ça pour nous te ka faire corruption, pour nous te ka garoter l'argent payant. Et bien jodi an le blanc débarque dans des gwen, nous faut nous accepter. C'est la mort mes amis. Li te bon premier ministre Jean Nèg yo avann ni là dans média yo sur réseaux sociaux yo en pile journaliste. En nous sérieux non. Pour quantité l'argent qu'on est PM ça fait Haïti fait l'état dépenser dans question lampadaire dans mettre petit lampadaire dans toute la rue alors que yo te ka prendre l'argent ça yo pral di yo pral mettre camp central électrique Haïti pa t'ap gen courant, département pa t'ap gen courant, tout pays pa t'ap gen courant. Nous pour paquet l'argent nous gagoter, nous gaspiller, mettre lampadaire jodi demain il disparaît côté yo fait ba connait mettre lampadaire yo pa jambe limé. L'argent ça t'est cas utile pour le projet oui. L'argent ça t'est cas utile pour mettre camp et centrale électrique dans le pays à bay moun courant oui. Pour quand tu t'es l'argent nous prenons un projet en dollar 50 fonds national d'éducation. Jodi yon côté éducation est dans pays. Combien lycées qui gagne yon comment on dit ça? Yon laboratoire informatique. Combien lycées jodi yon, combien l'école communale qui gagne un laboratoire informatique, chaque petit monde qui gagne un petit laptop devant yon, un petit ordinateur devant yon, combien? Combien lycées, combien l'école communale dedans pays là qui gagne possibilité pour petit monde ça yo, pour élèves ça yo, pour yon jouer accès avec un terrain football, un terrain basketball? Combien?
On nous fait bilan, non? Alors, qu'on a pour un dollar 50 diaspora, l'exercice fiscal qui évalue à des millions, qui évalue à des milliards de dollars, nous pas j'en font merde, nous pas j'en réglons merde, c'est l'argent nous besoin pour nous gagoter. Et puis, je veux dire, nègre avant nous comme bon premier ministre, bon monde, etc. C'est action, yo, parler, ce sont les faits aujourd'hui qui parlent. C'est pas en question, c'est persécution politique, c'est moun qui parle, c'est moun qui gagne patron, etc., qui persécute nous. Non, c'est fait, yo, qui parle là. Qui ça nous fait? Qui ça nous fait? C'est pas non logique, nous t'ai acheté 1000 galil, etc., qui t'a pral permettre yo de chouquer gang, yo touye bandi, etc., qui t'a pral baye PNH en moyen. Non, mais dossier galil, ça yo. Le ancien député Arnel Belize a été levé, l'été député. Pas de jambon bon moun, non te dit rien. À l'époque, la mode premier ministre, yo pas jambon dit rien. Salim Soukote la, chef cabinet la mode, yo pas jambon dit rien. Comme si c'est Jodian là, la mode, et Arnel Belize fait péché. Comme si c'est Jodian, Arnel Belize, li mérite papier timbré. Nous quitte. Nèg sa yo, mais comment yo yé? Coupé étranger prend sanction contre yo, Canada prend sanction, États-Unis prend sanction contre yo, etc. Yo quitte côté moi, yo vin crier sous sekel. Comme la presse, comme média yo, c'est la sekel la, États-Unis, Canada, c'est la moi. L'île, l'état pour nous commencer à crier côté moi. On nous suspend, prend bol matière, nous prend pinceau, nous a passé salami dans figi, nous a passé water dans figi peuple. Comme si peuple haïtien nous pas de l'explication, comme si tout droit nous, comme si nous gagne tout obligation, tout privilège nous devant nous pour nous garoter l'argent l'état, son obligation pour nous voler l'argent l'état, pour nous fourrer maintenant caisse l'état et puis après nous pas nous peuple explication. Yo pas qu'à dénoncer nous. Yo pas qu'à dénoncer magouille malversation n'a fait, yo pas qu'à dénoncer corruption n'a fait. Parce que yo pas bon comme ça. Nous tous dans mes pays, nous tous voulons pays avancer, mais nous yon pas voulons assumer responsabilité, nous leur nous merder, leur nous voyons tinter, leur nous voyons matière, nous pas voulons ramasser. Je dis on c'est mon coupable. Tout nèg sa yo ki en bas sanction yo di yo innocent. Nèg la li gon paquet million de elle, li rentre nan fonction sans goud, li vin sénateur sans goud, a un ti boloko, jodi an la gen gros yacht. Jodi an gen gros villa, jodi an li se propriété en paquet pompe à essence en République Dominicaine, li pa vlo questionné origine l'argent sa. Et bon gon pied bois la ka ou kap bay l'argent. Pied bois ça partager bay peuple en tiracine bay peuple bay payant bay ou reme payant qu'on soit reme peuple haïtien comme ça partager formule là avec peuple haïtien tout monde a un million tout monde a des possibilités pour acheter villa tout monde a ka levon bon matin acheter un yacht chou au bout oh Jean monde reme naviguer sur la mer non c'est pas possible. Qui origine l'argent? Et c'est ça que faut un exayo, yo toujours après kakoy yo, a mettre kakoy sous côté l'ordi yo, faut que yo fait déclaration patrimoine. C'est une des raisons toujours dans des greffes tribunal a casser en dedans pays qui ça voler déclaration patrimoine. Nèg yo rentre dans fonction sans yon goud, a démé yo rentre à des bouda yo. Comment ça yo rentre? Poche yo chiré, des bouda yo nan men yo, yo sans goud. Et puis kou yo sénateur yo député yo premier ministre yo ministre secrétaire d'état en dedans pays yo directeur général yo millionnaire multimillionnaire qui te fonction jodi an la bon bataille politique c'est pas seulement bataille politique qui crée division ça en dedans pays HTK l'op garder passé la mort Martelly moun sa yo c'est deux compères yo té c'est deux compères yo té acolyte yo té zanmi yo té mandé yo qui sont divisé aujourd'hui an qui sont connect divisé yo. L'argent Petro-Caribe a toute responsabilité à Martelly prendre la guerre sous la mort. Le Martelly dou en tant que président de la République qui pas t'a gérer l'argent l'état. Mande moun yo qui t'a gérer, qui est-ce qui t'a gérer? Qui est-ce qui t'est premier ministre? Qui est-ce qui t'est premier ministre? Et d'ailleurs avant Martelly t'est président, nous tout était dans des scandales et li gen kay Miami, yo saisi kay etc. Jodi an la Martelly gen gros ville, la Martelly gen gros kay bolan mais. Martelly plein million. Côté nèg yo joine pendant petit temps de service, n'est pas oublié le président, le sénateur, le député de l'an de pays. Son fonction de service, c'est service qui vient de la population, c'est service qui vient de la nation. Mais non, service n'est pas ça au pays, mettez ça dans la tête aujourd'hui. Pas bon nèg, pas bon autorité en dedans pays là qui prend un service à la nation gratuitement. Non, pas une gratuité. Tout nèg a touché d'une manière ou d'une autre. Si c'est zam pour le baron groupe gang, pour faire kidnapping, pour faire assassinat, pour faire détournement camion pour lui, pour mettre l'argent dans la poche, il a touché quand même.
Sinon, je dis, qui intérêt nèg yo ta gen, qui intérêt États-Unis, Canada la gen, ou dans des nèg sa yo, yo dou yo participer dans trafic zam, y a financé gang, y a financé violence criminelle dans le pays. Hein? Pour qui raison? Donc, comprenez bien, réalité, c'est que classe politique, ça, son classe politique qui gangrené, ok? Li envli, mais à corruption, nous pas ka, nous, pas rien yon nan yo nous ka récupérer, je dis. Toujours son jeti formule ça. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ancien moun sa yo qui pas de jam réglan, et jodi an la, c'est non yo qui fait partie de li, c'est non yo qui pral fait partie de li, c'est non yo qui fait partie de li sanctionné. Ou pas ka changer, ou pas ka changer, ou pas ka changer en rien avec yo, ou pas ka espérer yo pral changer tout parce que yo pas changer. Yo chaque son pion yo ye. Yo chaque gon mission. Et attends nous. Pendant la bataille ça fait dans la classe politique là, pendant ouais États-Unis, Canada, communauté internationale, les Nations Unies pour aller gagner pour sortir l'ispal. Pendant qu'on ouais a fait épuration classe politique là, il a passé mais après tiré mauvais grenio, mais gien l'autre nèg, il a préparé terrain tout pour yo venir. Moun sa yo c'est pas pi bon yo pi bon non. D'après ces nèg, d'après ces moun qui go agenda international li pour aller exécuter. Dès le départ, moun sa yo pas ka bon moun, yo gon kote yo vle mené pays avec yo. Yo gon kote yo vle menno avec moun sa yo. Et ou même qui pou kale jo pou konnen que bataille ka fait a te a son bataille pou pays, bataille sa oui, la dan gen moun ka trait ou oui la dan gen moun ka vann conscience yo. Oui la dan gen moun ki di jodi an la. Yo se militant, yo motivé, yo paré pour yo dénoncer, yo paré pour yo et pour yo bataille pour peuple, pour intérêt peuple, pour ça pas reproduire encore pour ne pas prendre même et tenter dans za nan figi nou nan 10 nan 15 prochaine année k'ap gen pour venir là. Et pourtant sa yo pa ran yo kont yo gen tan acheter, yo gen tan accaparer yo gon groupe nèg la k'ap fè politique de manière subtile ki gen tan accaparer un paquet de jeunes. Et pourtant, c'est plus devant, c'est 5 ans après, on va retomber dans trois avec eux. Parce que même Jean Jodi, on a dénoncé un paquet de machins de micro, on a dénoncé un paquet de nègres qui achetaient par bon côté et secteur privé des affaires. Entendez, ils ont dit, ah, et tel, c'est journaliste oligarque. On ne peut pas dire ça à la mode, d'où l'idou. Et qui est-ce qui est en El Belizeur? C'est Reginald Boulos. Reginald Boulos, toute l'heure, t'as dénoncé question Galil. C'est pour. Toute l'heure, en El Belizeur, t'as dénoncé question Galil qui a joué et base Galil, bandit légal, etc. Oh, c'est pour Boulos qui t'as travaillé. Ça veut dire, politiciens, yo admettent que yo gen met. Même gens, nèg micro, yo gen met tout. Tout le monde dans la République, yo gen met. Ça crive, c'est que jodi an là. Bataille qu'a fait pour pays, yo mette oligarque yo, politicien yo, yo mette un prix pour chaque moun, chaque moun gen prix pa yo. On y a ça pral dépend nous même. Est-ce que conscience ou est-ce que conviction li pa gen prix sou li? Parce que nèg yo tellement fréquenté à la, nèg yo tellement dérespecté à la, yo estime que chaque moun gon prix et bataille qu'a fait pour craser pays nan mitan classe politique là, bataille qu'a fait pour finir avec pays nan mitan oligarque corrompu yo, yo même seul ça qui intérêt yo c'est faire l'argent ou te mettre mouri, yo te mettre détruit, yo te mettre tout yo, depuis nèg ça yo ka fait million, yo pa gen problème pour investir dans classe politique là, pour yo mettre sénateur député al craser pays, yo pa gen problème pour yo payer machine micro yo, pour yo ka défendre intérêt pa yo. En tout cas, m toujours dit nous là Haïti son pays très difficile lié. Et depuis quelque temps là, gen liste formel qui sorti par bon côté autorité et canadienne et américaine. Mais comme ça, tout bon paquet de lycée formel qui a circulé sur tout réseau. Et dans le lycée formel, ça, nous avons gagné un ancien premier ministre, Evans Paul Ladel. Est-ce que Evans Paul li connaît ou pas sanctionner? Est-ce que effectivement il y a bien pour sanctionner Evans Paul? Li pas perdre du temps pour te réagir, pour te bailler position par rapport avec sanction que Canada avec États-Unis après contre classe politique là. Parce que nous bon paquet nèg là, bon paquet militant, des séries de nèg qui toujours parler pour parler de politique. On c'est politiciens acharnés et bien depuis les sanctions ont commencé, ben nous pas de youn pas dit quick. On comprend yo nous l'embab camarade nous prend dit fait mettre pour à la trappe. C'est ça qu'a fait là. Et bien Evans Paul lui-même, il décide de parler comme ancien premier ministre, il dit les paroles pas vous dit mon parle vous le dit dans dérive ça li wak passé non seulement dans classe politique là mais dans façon Canada États-Unis a rentrer la pote bourré a prendre sanction contre des politiciens haïtiens alors que yo di yo gen preuve mais preuve ça yo pas jamais prend la rue. Donc est-ce que c'est rien li la protéger?
Est-ce que Evans Paul, dans le moment là, c'est peut-être qu'il a cherché une façon là pour le protéger sinon il a sorti, pour tout le monde connaît qu'il a pris position? Eh bien, nous prenons dans l'interview ça qui réalisé avec Marie-Lucie Bonhomme, nous prenons effectivement qui ça Evans Paul pensait et comment lui-même il préparait si toutefois non il a sorti dans causer sanction que États-Unis et Canada prononcé contre des politiciens haïtiens. Longtemps après confrontation, li pa ba rezultat et li pa ba rezultat, mais jan situation an mangome la, et bien parole la li son bagay ki mérite balancé plusieurs fois avant de publier. Et n'a pas les forcément de situation pays d'Haïti, de crise politique là, mais nous avons mon français achevetrement et des crises, c'est-à-dire nos crises politiques, crises économiques, crises sociales, crises sécuritaires, crises humanitaires, et puis crises sanitaires, tout avec et choléra. Et puis aujourd'hui là, d'abord le gouvernement a géré, mais d'abord géré des choses, on attendait de parler de ce qui a passé. Là, nous allons commencer avec la situation haïtienne en République dominicaine, M. Paul. Après de la chasse aux Haïtiens par les autorités dominicaines, le président Abinader montrait lui est très déterminé. Des centaines d'Haïtiens, ils ont vu une espèce de petit calanche et ils ont été déversés et à la frontière. Et question extrêmement grave et il y a des conséquences sur la situation et pays d'Haïti, sur son économique, mais les autorités haïtiennes n'ont pas dit grand-chose, n'ont pas fait grand-chose. Donc, un silence très pesant de la primature du Premier ministre. Bon, son situation extrêmement grave, on a parlé de crise, de toute crise, Dieu, vous avez cité là, mais la principale crise là, c'est crise sociétaire. Son crise sociétaire n'a plané depuis des années, qui dégénère dans toute sauf. Qui dégénère sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan moral. Et c'est que la société qui va au sort d'un âge, je dis, qui ne fait pas gagner qu'un peu. Même du point de vue de l'activité haïtienne, mais en plus le football, les équipes de football d'antan ont été gagnées, résistées, nous avons violé, toutes disparaissent. Je dis, nous n'avons ambiance, ou pas même une chambre de commerce qui campait. Ou pas petit qui secteur que crise a épargné, quel secteur spirituel, secteur l'église, secteur politique, secteur économique, tout le monde joigne. Et c'est ça qui explique une dégradation situation, complication situation. Il fait texture, leur pays n'a ambiance pas, et bien citoyen qui est à l'étranger a payé conséquence là. C'est pas seulement en République dominicaine, nous capable de faire parenthèse avant d'entrer dans la République dominicaine d'emblée. En Turquie, quand un haïtien est mis en prison, il a mouru grand goût dans la prison. Il a demandé de rapatrier. Mais il n'y a pas de moyens pour ça. Et au contraire, il est très loin. Ça coûte quoi? Je vais tout profiter de son appel à gouvernement pour lui faire un diplomatique. Ouais, c'est à faire mon ça. Il est sorti dans la prison parce qu'en plus, il a demandé pour retourner à la caillou. Et dans la prison, côté de la même manger au bazar, même Jacques Mouni qui est dans la prison dans la caillou dans le pays, malheureusement. Alors, pour la République dominicaine, son situation extrêmement complexe, c'est un pays qui a des frontières avec lui, nous pas basé en îles avec lui, nous gagnons 376 km de frontières. Dans le dernier recensement, FNUAP, Fonds Nations Unies pour la population, en 2017, il a été dénombré officiellement 496 770 migrants haïtiens qui en République dominicaine. Dans tout le monde, je dis environ 500 000, c'est seulement 31 000 qui étaient en situation légale. Et en plus de mon taillot, on a 277 000 autres monde qui se dépendent haïtiens, c'est-à-dire que les gens qui fait en République dominicaine, mais que un gouvernement dominicain in between, parce qu'ils reconnaissent net comme dominicains, ils sont des descendants haïtiens, mais ils sont dominicains parce qu'ils font un République dominicaine.
considérer comme tel. Et ça va où on situe environ 200 000 monde qui considèrent comme des apatrides. À partir de là, je dis, nous qui sommes pays, et bagages ça, ils ont fait un gros bal en pile en 2013. Et son situation qui l'a, la République dominicaine a pris une décision, l'unité remonte bagages là depuis en 2020. Tout le monde qui était dans le pays à partir de 2020. Pardon, 1920, pardon, 1920, ça fait un siècle. Tout le monde sait, c'est considéré comme des Haïtiens, même si de génération en génération. Alors, son conflit, côté haïtien, cas de développement, il y a un petit problème, il y a une considération d'ordre de la politique d'immigration, il y a un bagage raciste, etc. Et le bagage a été plus grave ces derniers temps, avec grave crise politique, situation qui a dégénéré en Haïti. Et en plus, le monde va traverser les frontières, puis il soit à chercher de mon sécurité, soit à chercher de mon la vie. C'est un bagage qui est vraiment difficile. L'aime garder, quand on a été directement, on y a besoin. Pardon. Genre, il y a pour rapatrier, il y a pour rien, il y a des fois, avec l'acte qui sous quoi, il n'y a pas même droit pour rien, il y a des fois qu'on gagne, il y a un petit quoi sous, il y a un monde qui a déporté, il y a un cop là, il y a un petit bijou, il y a un sous. Vraiment, son situation inacceptable pour Haïtiens. Et je pense que sans défense, parce que avec crise politique, diplomatie haïtienne ne pas. Une petite question. Au niveau du gouvernement haïtien, ça n'a pas fait, mais vous souhaitez évoquer la question de nationalisation haïtienne qui est faite en République dominicaine. Et depuis 1920, mais en dépit de réprobation internationale, à chaque fois que nous sommes dominicains, quel que soit le gouvernement, quel que soit la tendance, eh bien, il y a toujours quelle décision que le prend l'autorité qui en Haïti ne va jamais faire le poids. Est-ce que le problème, non, c'est parce que ne va jamais aborder et de façon bien abordée et question relation haïtiano-dominicaine, question et migration haïtien-république dominicaine. Il y a plusieurs aspects là-dedans. Le premier aspect, c'est des mandats qui viennent dans le pays, le pays d'Haïti, instabilité politique. Chaque leur une discussion commence à faire, chaque leur gagne une négociation qui est entamée, et puis un changement de gouvernement. La vie tombée à l'eau, et puis Dominique a même continué. Et hier soir, je communiquais avec un ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, et il a mort. Et parce que je suis préoccupé tout par la situation, parce que moi, je lis le rapport qui montre que j'ai déporté le monde, moi, je suis sous frontière, dans l'hôpital Jimani, côté de l'Haïtienne, qui a été pour l'accoucher. Il n'y a pas qu'il est rentré l'hôpital, c'est dans la cour l'hôpital là, il est accouché depuis maintenant. Et nous, on a tout à l'heure, nous prenons vers lieu, nous avons tout nous parler avec eux qui est en République dominicaine. Son situation qui vraiment est préoccupée. Alors, ambassadeur, c'est mon bagage qui attire l'attention. Et conflit, rivalité entre Haïti et République dominicaine, sont bagages là depuis très longtemps. Mais si pour Haïtien, ils sont bagages émotionnels, nous réagissons de manière émotionnelle. En République dominicaine, ils réagissent de manière institutionnelle. Ils ont gagné le même pour combattre les Haïtiens, même si ils ne sont pas capables de vivre dans les Haïtiens. Il est difficile pour un homme politique dominicain d'assumer une bonne relation avec Haïti pour une bonne raison historique, sociologique. Gagner un sentiment anti-haïtien viscéral dans ces secteurs en République dominicaine, alors que les migrants haïtiens, c'est le moteur économique dominicaine. Et c'est là que l'État haïtien qui va gagner dans même, et là, quand nous gagnons tout, il y a une vision claire comment nous gérer la situation. Si il y a une rivalité entre deux peuples, dans certains aspects, il y a un côté qui entend mieux tout sous frontière. Mais l'État lui-même n'a pas qu'à entrer dans la rivalité, jouer, qui fait bouler, pour le chercher à
à qui élément il peut aller dans la négociation pour nous protéger compatriotes. Premier élément, c'est produit acheté en République dominicaine. Haïti, après les États-Unis, c'est deuxième marché économique pour la République dominicaine. On les hommes d'affaires dominicains conscients de situation ça. Qui fait, l'homme on combat, il faut regarder à partir de quel élément stratégique. Il y en a un élément stratégique, c'est pour la diplomatie haïtienne, le gouvernement haïtien, le ministère des Affaires étrangères, il y a gardé qui côté il y a capable de faire une force, et côté de faire une force, ça, c'est auprès de monde capable d'importer en pile marchandise directement ou indirectement en Haïti. Directement, c'est monde qui importe l'eau, mais indirectement, c'est monde qui vole sous frontière à travers quatre marchés binationales qui gagnent dans Guanamet, dans Belader, dans Malpas et dans Sapit. Sans compter par quelques autres débouchés gagnés sous 376 km de frontière. Maintenant, ça c'est le premier élément ou bien élément fondamental de négociation pour nous protéger haïtiens. Deuxième élément fondamental, c'est haïtiens eux-mêmes qui gagnent gens qui sont capables d'organiser dans le pays et parce qu'ils sont force de travail. Que ce soit c'est dans le secteur de construction en République dominicaine. Il faut travailler, c'est haïtien, il est mal traité, il est mal payé, parce que il faut la donner illégale. Que ce soit dans le secteur agricole, c'est encore haïtien, ou la grande majorité, qui a fait l'économie dominicaine, la production nationale dominicaine, la prospérer. Que ce soit, je dis, même dans le secteur touristique, là, ou jeune encore haïtien, jeune haïtien, qui fait effort, qui parle anglais, qui parle espagnol, bon, il parle pas espagnol dans la dominicaine, mais il y a haïtien qui fait effort pour parler italien, et il y a même haïtien qui fait effort pour parler russe, parce que il y a un groupe potentialité touristique, et haïtien non secteur. Alors, depuis que j'en ai été mélangé, et que les dominicains qui vont faire pour un job, etc., grande rivalité. Mais la question que j'ai posée là, c'est l'État qui peut prendre en main et négociation, il faut le faire sous deux plans. Il faut le faire sous un plan d'agapatie du respect du droit international, mais il faut le faire tout sous intérêt du pays au partagé. Et là, il faut une commission mixte qui vient là-dedans, non seulement des diplomates haïtiens, mais des hommes d'affaires tout, qui n'ont fait commerce avec le République dominicaine. Hommes d'affaires haïtiens d'abord, qui est capable de connaître qui c'est économique en République dominicaine qui a affecté si la situation continue de dégrader dans la relation avec le pays. C'est insécurité, grave insécurité qui est dans le pays qui poussait un pile haïtien à l'extérieur en République dominicaine. Il y a vu également des gens qui ont une bonne situation pour qu'ils soient capables de vivre. Et dans le pays d'Haïti, obligé de tout ça au gagné, puis etc. Et ils ont traversé avec. Je veux dire, ils ont pratiquement la même situation, parce que c'est une question de renouveler visa à chaque trois mois, et le consulat est fermé pour aux questions de fraude de visa. Mais tout le monde, ça, ils ont retrouvé illégal. Et le pays et la République et dominicaine. Mais nous regardons, ça a gagné pratiquement deux semaines, c'est chaque jour où les camions, machines, ont expulsé haïtiens, la guerre sous frontière là. Et on mettait nous tous, ma place, et la connaissez, ma place dominicaine, la place. Autorité dominicaine, de place gouvernement et dominicain. Est-ce que là, il n'y a pas une charge extrêmement lourde pour payer ça? Et dans le forum international, Abinader a dit conséquences et qui gagnent lorsque Haïti lui-même dit non, situation ça. C'est-à-dire que le monde qui n'a pas qu'à aller aux États-Unis, eh bien, et le jeter en République dominicaine, est-ce que nous n'avons pas qu'à tenir compte de ça pour nous capables juste et non
analyse que nous avons fait, parce que nous attendons ce que ça véritablement. C'est vrai, il y a rapatrié Haïtien dans des conditions inhumaines, je nous dans la rue, on va nous prendre sur des familles, et depuis ou pas en mesure et pour ou capable de présenter ces douleurs, ça veut dire, oui. Et de vous capable pour présenter pièce d'identité ou, et pour montrer que ou légal dans le pays a, et donc il y a des expulsions. Ça peut-être dans les négociations qu'a fait chaud faut nous ta faut que autorité et haïtienne ta main bien dominicaine pour d'ailleurs faire au notre c'était job commission haïtienne commission mixte haïtienne dominicaine qui pratiquement en veilleuse, et Marie dit oui, en berne depuis quelques temps. Bon, normalement, chaque pays a une loi de son territoire. Nous ne pouvons pas retirer le droit de l'État dominicain gagnant pour défendre l'intérêt pays, pour lever les immigrations, etc. C'est sûr que Haïtiens sont victimes, mais c'est surtout qu'il y a un petit problème de côté de l'opérateur. Maintenant, dans toute situation, il y a des actifs, des passifs. C'est vrai, des passifs. Il y a mondialement des charités, l'autre bord, toute qualité de bagaille qui dérange les Dominicains parce que c'est déjà un pays qui a accès en plus sur tout. Mais c'est pas seulement côté passif, ça y est, tout le monde est à l'autre bord, que Haïtien pour. Mais il y a deux bagailles qui nous obligent à considérer fondamentalement. Il y en a. C'est l'autre qui peut gagner un pays, non, pour tout Haïtien pas obligé à chercher à réfugier le bois. Parce que quand on est dans ce style-là qui réfugie le bois depuis quelques temps, c'est pas peur. C'est le monde qui est victime de kidnapping, c'est le monde qui va avoir été l'école, c'est le monde qui fait pile sacrifice d'ailleurs. Depuis quelques temps, il y a des revenus qui sont venus dans le pays qui a des République dominicaine. Par exemple, il y a un pile monde qui est République dominicaine, c'est le monde qui est dans la diaspora. Ils ont fait à vivre l'autre bord justement pour assurer que la vie est protégée. Il y a même des gens qui ont une famille pour mourir en Haïti. C'est en République dominicaine, il y a une réunion avec la famille, même si on a tellement fait en Haïti, parce qu'ils peuvent venir dans le pays pour malheur arriver. Alors, premier élément pour nous considérer, c'est l'ordre pour nous mettre dans le pays, pour nous rendre le pays vivable, pour les citoyens, ils ne sont pas obligés à courir dans n'importe quelle condition pour y avoir point d'humiliation à l'étranger. Deuxième, maintenant, c'est au niveau diplomatique, pour nous prendre disposition, pour nous prendre de manière responsable et nous capables de tout et demander support international, parce qu'il y a des conventions qui existent pour relations diplomatiques, il y a des conventions qui existent entre Haïti et la République dominicaine qui n'est pas respectée, parce que, mis à part tout ça, tout ça comme considération, il y a des questions donc humanitaires. Même si on va rapatrier au monde, il faut respecter les dignités. On ne peut pas prendre l'île sans avoir une chance pour baigner, sans avoir une chance pour le tomber à propre sous l'île, sans avoir une chance pour ramasser les affaires. Il y a une humiliation dans la guerre. Mais la déportation, en tout gagner discrimination. Parce que ce n'est pas seulement mon affaire par bon qui est en République dominicaine. En plus de mon côté parler et qu'elle travaille du haut, mais quand tout le monde, c'est qui quoi que vous gagnez, il y a des pensées en République dominicaine. Il y a des gens qui ont revenu en Haïti, qui vivent en République dominicaine, qui mettent petit sur l'autre bord, qui a payé l'université bien cher pour nous, ça les dit pas en Haïti, pauvre là. L'hypothèse en pile à port dans l'économie dominicaine, que ce soit c'est dans la marchandise que vous avez acheté, que ce soit dans la diaspora brouillée qu'à la République dominicaine en partie depuis quelques temps, que ce soit c'est dans le petit monde, n'a pas l'école, n'a pas dans l'université en République dominicaine, eh bien, il est clair que la République dominicaine, c'est pas seulement pacifio, il bénéficie largement de actifio. Maintenant, comme un sentiment anti-haïtien viscéral, ça veut dire comme politique dominicaine, il n'y a pas de gens qui ont courage pour faire équilibre là. Ils suivent l'opinion. Et comme nous-mêmes tous, nous pas gagnons une diplomatie performante pour pas qu'être raison, instabilité politique, etc., ça veut dire haïtien sans défense.
Et là, nous pensons que nous avons fait une émission ce matin, bon, après, nous lancer non seulement à l'autorité qui est en place, mais à tout le monde qui connaît question, tout le monde qui est intégré en République dominicaine, tout le monde qui a investi en République dominicaine, parce que c'est même pas du tout, qui est haïtien depuis quelques temps, qui est propre, qui investit en République dominicaine. Alors, sans question qui m'a gombé, sans capablement demander. Il y a un haut là, sous une malignité haïtienne, demander un élan de responsabilité pour que les gens qui sous pouvoir, ministère des Affaires étrangères en particulier, pour entrer en contact avec l'autorité dominicaine, pour demander l'instance internationale pour mettre un haut là dans les gens, il y a malignité haïtienne pour nous souffrir, les femmes enceintes, et parfois, ils ont envoyé des citoyens dominicains tout en Haïti parce que pour eux, noirs, dernièrement, il y a des gens qui sous frontière qui sont de nationalité cubaine ou bien qui sont de nationalité colombienne. Donc, ce n'est pas seulement haïtiens qui immigrent dans les pays dominicains, mais l'autre nation, pour les haïtiens qui plus. Alors, c'est une situation qui manque aux mains, qui fait partie de la crise à vivre là. Donc, il n'y a pas qu'à chercher solution à la crise politique là. Ça nous va corriger, garder de manière très responsable à la situation qu'on va payer qui n'a pas de On dit à deux reprises que faut le gouvernement haïtien tourner vers les instances internationales. Et c'est justement, et c'est ça qui est, qui fait que l'autorité dominicaine a agi comme ça. Dans un premier temps, et d'une ta raison, tu as expliqué ça hier, c'est que nous lançons cette chasse aux Haïtiens, donc aux sans-papiers haïtiens, c'est après visite aux fonctionnaires du département d'État américain qui offrit presque $1 million au gouvernement dominicain pour être capable de gérer, ça on est les groupes minoritaires. Et que sont nous tomber dans les oreilles et nationalisation et que c'est réaction ça que Abinader a gagné pour montrer que lui-même lui très ferme et sous dossier et haïtien illégaux sous et puis deuxièmement c'est la madame Appelé c'est le haut commissaire des Nations Unies très rapidement pour les droits humains et lui question et puis on a son appel et à l'autorité dominicaine pour camper sous expulsion haïtienne illégaux justement en raison de situation ça qui est situation pays d'Haïti qui a dégradé et chaque jour et puis ça fait je veux dire qu'il y a une instance internationale qui est capable de faire les Dominicains et raison parce que, je te dis ça tout à l'heure, à chaque fois que il y a des types d'actions comme ça que vous faites, vous êtes mettre condamné, plusieurs instances internationales condamnées, on ne va jamais faire et bac. Et vous t'as cité l'ambassadeur Guy Lamont, et nous, on ne peut pas prendre comme exemple. À chaque fois que l'ambassadeur et ou fonctionnaire et ambassade haïtien en République dominicaine, ça veut hausser le ton. Juste parce qu'on est demandé au meilleur traitement et pour haïtien qui vivent en République dominicaine, le résultat, c'est que je rappelais, c'était le cas de Guy Lamont parce que les autorités haïtiennes dans le dossier ça toujours. Garder un profil bas, ne pas connaître qui gens pour discuter, qui gens pour négocier, me taper et recevoir un spécialiste de questions de l'Amérique latine. Et la semaine qui t'a expliqué que, après une rencontre entre le président Abinader et le premier ministre Ariel Henry, eh bien, Abinader a eu à dire, mais Ariel Henry, il a comme qui ça pour le demander. Son commentaire blessant, extrêmement grave de la part de l'autorité en pays et sur l'autre. Bon, normalement, faut prendre
dénigrement de pays d'Haïti, même si tout, bon, des fois, nous avons une tendance pour nous improviser, parce que sous plan international ou pas improvisé, leur chef pour parler, un président ou bien un premier ministre, sont sept porte-parole liés. Un porte-parole, au monde qui pourrait le parler, parce qu'il y a autorité pour parler. Mais il y a tout un staff qui briefe, qui parle des éléments de langage pour l'assurer, les cohérences dans sa labdia, et sa labdia, qui correspond à l'intérêt, la défendre, basé sur référence, en chiffre, et la vie. Alors, ça n'a pas privé que nos rencontres, nous n'avons pas pu se couper dans le cadre d'un forum international, nous pouvons y parler. Et puis, bon, le président dominicain n'est pas satisfait de ce que le premier ministre haïtien dit. Bon, lui-même tout qui réagit, comme toujours il y a des réactions, nous n'avons pas dit très émotionnel pour nous être dans le cadre diplomatique, pour ne pas tomber dans aucune agression qui va pétir rien. Eh bien, François a dit avec 27 mains, il est clair que la diplomatie non très faible. Et en pile fois, les gagnants des autorités de la diplomatie haïtienne qui prend position, et pour exemple, l'ambassadeur de la mode, et l'État haïtien est obligé de transférer au Mexique parce qu'il était pour une position en 1900, dans l'année 2000, et justement pour dénoncer le non-respect de conventions, des accords qui gagnaient dans la relation entre deux pays sur le plan migratoire. Alors, je pense que la question, c'est une question très délicate, et nous gagnons une diplomatie à la dérive, et des fois, la diplomatie n'est pas touchée. Il y a la merci d'une situation extrêmement difficile, pas seulement en République dominicaine. Ça nous connaît que du point de vue diplomatique, notre priorité, c'est d'adouer la République dominicaine. Parce que la section qui a traité les affaires haïtiennes en République dominicaine, l'équivalent de ce que nous gagnons dans le ministère des Affaires étrangères pour toute la diplomatie haïtienne. Alors, sans question qui m'a dit, toute une approche sociologique, économique, politique et stable pour ne pas changer à chaque changement de gouvernement. On a un monde qui compte dossier, on a un monde qui qualifie, qui prend bagarre là, tout plan, yo, et puis pour assurer que nous avons une solution durable. Parce que l'y paraît de temps en temps, c'est vrai qu'on y a le paraît plus grave, parce qu'il y a un problème grave d'insécurité en Haïti, mais le problème n'est toujours là, le pas jamais suspendre. Depuis le massacre des Haïtiens du 8 juin 1937, eh bien, toujours il y a un problème entre deux pays. Il est capable de remonter depuis loin, il est capable de monter depuis Boyer. Et puis, quand il y a un mensonge historique qui gagne dans la relation entre deux pays, mais c'est des bagailles qui demandent pour que les Haïtiens comprennent à gérer. Parce que, d'ailleurs, même l'école dominicaine, ils ont monté des histoires dominicaines contre les Haïtiens. Ils ont dit des bagailles qui sont des fois des contre-vérités historiques. Et ils ont fait, si nous avons grandi à un sentiment pour ne pas aimer Haïtien, pour ne pas haïr Haïtien. Ils font son problème extrêmement grave. Et seul gens qui ont fait équilibre là, il faut nous mettre l'ordre de la caille, nous, pour Dominicains reconnaître la valeur, nous, pour reconnaître les bagages qui ont besoin d'en main, nous, et pour nous négocier et changer, pendant que nous défendons les intérêts citoyens qui l'ont pour eux, et qui rappellent sur le territoire. Je sens que tout n'a pas besoin d'entrer dans laisser frapper. Qui est capable de créer trop de difficultés, surtout pour le monde qui a vécu sur le territoire dominicain. Oui, mais il se trouve que la diplomatie haïtienne est inexistante. C'est-à-dire, ma femme et Yvan Chanel, qui a dit il y a la tête plate au Soudan, même là, au niveau de Port-au-Prince, pas de réaction. Mais fonctionnaire haïtien qui est en ambassade dans la République dominicaine, il va gagner de l'eau. Il va gagner de l'eau. Par une note, il va même venir en aide haïtien avec Suisse. Non, pas pire problème, même problème salaire. Gagner de l'eau qui est diplomate qui va venir écouter pour dormir. Ou bien qu'après, il y a l'autre monde. Son bagage compliqué, son situation compliquée. Je pense que faut mettre l'ordre dans la diplomatie, on a mis l'ordre là, faut choisir sa priorité. Je pense que
première priorité, nous, c'est la République dominicaine, parce que diplomatie, c'est qui ça dit? C'est d'abord pour défendre les citoyens ou gagner qui vivent dans le pays étranger, et puis ensuite, relation gagner avec le pays sous base, sous base d'intérêt ou à défendre l'intérêt commercial, intérêt politique, tout. Parce que même sous petit, sous gagner une diplomatie qui est performante, ou à capable de faire un équilibre. Je veux dire, nous avons une diplomatie, mais pas prendre la guerre sous tout le monde qui l'a eu seulement, non? C'est le résultat de toute ambiance d'insécurité, d'instabilité politique qui n'a pris depuis des années. Bon, nous parlons de République dominicaine, mais c'est pratiquement dans tout pays Haïti en difficulté. Et a gagné des rapatriements, là, on va de rapatriements et racistes, et ça mettait les projecteurs sur la République et dominicaine. Et je dis, on dit, faut nous mettre l'ordre dans le pays, nous, même on est ajouté pour Haïti suspend à traîner dans notre pays et que pour y avoir subi humiliation parce que. Par contre, il y a peut-être 40-50 ans, et situation n'est pas comme ça. Ça, c'est résultat de mauvaise gouvernance, mauvaise politique. Et dirigeants qui t'ont fait, ils ont appliqué, et qui fait que la situation est dégradée pour ça. Mais la question à se poser, vous mettez l'ordre, alors que des ordres là, la plus grave, et chaque jour. C'est-à-dire qui jeune, qui va commencer véritablement. Nous, nous les amoureux, comme les ministres, au nom du peuple haïtien, nous disons, venez de nous. Et venez de nous à question de sécurité, venez de nous parce que nous avons une situation et sanitaire grave. Venez de nous parce que Bandi finit pour un pays et nous, ouais, et c'est. Tergiversation de part et d'autre des États-Unis, du Canada, des Nations Unies, de l'OEA. Comment pour nous mettre notre pays là? Et qui ça fait, je dis encore, c'est que Dieu nous pas clair pour nous comprendre, pour nous faire ça. Pour qui ça nous pas prendre conscience ça? Oui, c'est ça. Il faut nous développer une ambiance de solidarité nationale pour nous connaître que nous pas de véritables amis. Nous avons des gens qui disent aux amis, nous, qui prennent pause aux amis, nous, mais qui, à la vérité, sont fatigués avec nous. Alors, si les États-Unis n'ont pas déporté les gens dans le pays, ça n'a pas gagné en deux ou trois semaines. Mais si c'est chaque jour, tout est un avion qui sorti aux États-Unis, qui vient mener les gens à l'aéroport, dans le monde qui parle comme ça. Et parfois, il faut des 20, parfois, il faut des 40, parfois, il faut des 60. C'est toute la journée. À côté des États-Unis, ou bien Bahamas, toute la zone qui fait que ce n'est pas seulement en République dominicaine, aux États-Unis, grand pile haïtien qui est en prison, qui a passé misère tout, Bahamas sont l'autre situation, c'est encore l'autre situation. Ça veut dire que des mandats de pays, c'est la première raison qui fait nous comme ça. Et le fait que nous n'avons pas d'instabilité politique, nous n'avons pas de politique pour nous défendre notre pays. Même si nous petit, un minimum de dignité, nous sommes capables d'exercer, sous cohérence, mais nous perdons cohérence, nous, depuis quelques temps. Et c'est là où tout le monde qui est devant scène, que c'est le monde qui est en politique directement, que c'est le monde qui est en économie, que c'est journaliste, le monde qui constitue l'élite pays, pour nous comprendre une situation là, il faut que nous suspendions nous-mêmes entre nous, pour nous suspendre confrontation stérile, inutile ça, parce que nous, personne ne représente rien. Maintenant, vous faites allusion avec les demandes pour les ministères ou bien le gouvernement qui fait, puis vous venez de nous, etc. Mais pas sous bon. Non. Moi, j'ai un pile haïtien qui a fait débat, yo compte. Pour compte quoi? Vous êtes tombé dans une rivalité, il y a des gens qui disent qu'on a d'intervention, par exemple. Mais, à la vérité, il n'y a pas sous Haïti, il n'y a pas sous Haïtien. Il y a fatigué avec Haïtien. Sur le plan diplomatique, il y a capable de dire comme ça. Mais quand il y a une raison historique, il y a un problème.
yo tout qui fait yo pas trop vle engager yo ou sou bien gade sa ka passé ou sou des sanctions ka pran lis non moun ka fait etc comme yo di yo mette pou arrêter chef gang etc ou mais que yo pas sou bon vraiment fon bagay qui concret et là fin pour une résolution et tout le monde pense que son pacte fait en pile monde dit c'est pas dans bonne direction mais il y a un monde qui passe sur des news l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies qui font une déclaration pour dire ça son première résolution mais mon deuxième qui vous vient confirmer aide sécuritaire pour porter dans le pays deuxième résolution d'après l'île il va jamais paraître il va jamais sortir et l'autre des tout n'a pas les deux intervention ou bien quelque chose genre les là coopération pour sécurité etc et bien on sait de bagages depuis au parfait ou pas qu'on gagne aucune décision concrète qu'à prendre parler avec un professeur de droit international James Boer nous avons gagné au moins 11 étapes 11 questions qui pour répondre si vraiment t'as gagné une volonté d'avoir une action concrète qui va le faire pour arriver avec le SAO-Léon-MOU ou bien pour arriver là pour un terme de référence. Sous dit qu'on force qu'à rentrer dans le pays, il n'y a pas qu'à faire force d'invasion. Eh bien, il faut gagner des objectifs qui clairement visés. Il faut gagner des règles d'engagement qui précisent sa mission. Et c'est vraiment son mission humanitaire. Il faut l'écrire en côté. Qui conditions intervention va se faire souterrain et qui est-ce que l'État va adopter l'état de siège qui relation pour quelqu'un souterrain en PNH avec FADH comment les militaires étrangers vont capable distinguer qui monde qui bandit qui monde qui pas bandit parce que depuis bandit a été amené à terre il sait n'importe qui citoyen haïtien qui fait comprendre toute l'autre question qui lié avec disposition pour la qui t'a pris pour qui pour consulter pour pas sortir ces bagages là au cap parler ou tout utiliser mot tergiversation mais c'est que lieu non confusion on nous dit que la crise haïtienne est une dimension internationale et la communauté internationale maintenant lui fait partie de crise là tout la communauté internationale par rapport à Haïti la crise tout que c'est au pays comme les États-Unis qui ont dit chipper Haïti sur le plan international. Et ça fait lui-même qui a marché chercher qui pays qui pour prendre commandement force qui vous en Haïti. Que son pays tant qu'au Canada qui joue un rôle important, qui doit supporter la police là. Que c'est l'Union Européenne, etc. qui est tout en crise par rapport à Haïti, qui est tout par clair dans la situation. On nous dit que son situation est vraiment commun. Pour les Haïtiens, pour aller pour l'étranger. Alors, si nous prenons conscience de tout ça, eh bien, faut que nous commençons à dire que, faites attention, nous n'avons pas fini de nous. Faut nous chercher, joindre un minimum d'attente qui va faire nous gagner une capacité pour nous répondre à notre besoin ou à notre destinée. Parce que si tu as aggravé, c'est par vous, le voisinage, vous gagnez les dispositions pour vous venir de nous. Mm-hmm. Là, on dit, même les États-Unis et le Canada, ils ont en crise par rapport à la situation pays d'Haïti. Est-ce que pour les États-Unis, surtout, c'est parce que ils font partie de crise, ils impliquent dans la crise? Ils font partie de crise par rapport à l'implication. Bon, les États-Unis sont censés gagner un rôle, ils jouent depuis très longtemps, ils sont très actifs dans la situation politique haïtienne. Sur le plan militaire, il est intervenu en un siècle au moins trois fois. Et dans le pays, il est associé dans toute mission qui passe. Dans le pays, sous plan politique, il y a un convoi en pile, Chabrak, ils ne font pas 80 contre une négociation qui n'a pas abouti. Ils ont même tout fait bilan d'échec de la situation haïtienne. Et puis tout pas oublier qu'il y a une propre rivalité, la caille, tout y a géré. Pas forcément unanimité sur le dossier haïtien non, aux États-Unis. Comme on comprend par exemple, le Sénat américain prend un embargo d'armes sur Haïti. Mais alors, si le
gouvernement qui est en place, la majorité dans le Sénat, s'il devient devant le bagon, il tape devant le bagon, nous allons passer toute misère ça pour ne pas chercher à acheter des armes, il y a pour une bagarre qui n'est pas trop bon, pas quitter ses villages, etc. Alors, par la grave, non seulement il n'y a pas vraiment aidé, j'en peux t'aider, mais même nous mettre compte nous devons pour l'acheter, il y a passé dans le temps, il y a pris le temps de revendre nous. Et là, on soit dit par bonne loi, il va nous parler qui va te répondre. Alors, on peut se faire conscient de tout aspect, ça, yo. Ça va être dit pour la question de la soupe de nous, parce que, sous l'intimité, même sous pitié, on va pas toute la journée chercher problème, et puis vous dites que, c'est voisinage, vous venez, on va pas toute la journée, madame, madame Marie, papa, petite, et puis pour attendre ses voisins, vous venez, vous mettez l'autre la caillou. Ça, on commence à faire le minimum, parce que je pensais que, nous pas utiliser toutes les ressources que nous gagnons sur le plan national, nous plein monde valable, et dans le pays et de l'OPI, où tu as dit que tu attendais depuis quelques temps, mais dans tout le monde, dans tout le monde, dans tout le monde, dans tout le monde qui a plus de capacité, qui a plus de connaissances, qui a plus d'influence, qui a des moyens pour le pays et de l'OPI, pour nous déconnecter. Et m'a tout profité de faire un appel. Il y a un appel pour les écoles, nous ne sommes pas capables de faire ça pour nous garder le pays à capter. Et puis pour nous satisfaire, nous, c'est un tel, c'est un groupe, c'est pas un tel, c'est un tel, etc. Et puis nous-mêmes, nous avons une responsabilité. Chaque monde a pas de responsabilité dans ce qui a passé en Haïti. Et que la responsabilité est une responsabilité collective haïtienne avant nous, longer de l'autre sur l'étranger. Mais pour les plus aider nous, je pense pour les plus jeunes, ils sont capables d'aider nous, faut que nous-mêmes, nous en mettons d'accord. Et sous sa mère, le ou garder au niveau population, ça dit tout, puisque c'est un micro-trottoir ou bien intervention que vous faites, l'émission est ouverte à 7 dans les airs audio, pas capable encore, c'est blanc pour venir et nous, que le vide. Mais le garder, par exemple, la politique, le même qui a parlé en pile dans les médias, et pas capable presque tout pour une partie, mais il y a aussi. Leur discuter en privé, reconnaître que je dis à eux qu'ils ont besoin d'être ça, mais dès qu'on a mis pour ouvert ou leur bagage, ils ont dit qu'ils pensaient que la police est nationale, avec un soutien technique, que lui-même est capable d'arriver à bout et de gangs armés. Et n'a pas demandé est-ce que c'est possible, mais leur élite y a. Lui-même tout, il a un message flou, il a fait une communauté internationale. Là. Si on pas dit ça, on pensait véritablement. Bon, de considérations pour nous faire. Deux mondes qui ont des positions de principe. Position de principe là, qui a étranger venu, il n'y a pas d'accord invasion, etc. C'est position de principe. Respect de la souveraineté nationale. Mais il y a la réalité. De qui souveraineté n'a pas parlé? Pardon? Mais de qui souveraineté nationale n'a parlé? Oui. De qui souveraineté nationale? Parce que ce n'est pas seulement les militaires étrangers présents tout territoire. Et puis, nous avons une souveraineté nous, qui est violée dans toute bagaille. Nous n'avons pas un pays en charge, que ce soit ces gens après haïtiens. Nous pas seulement sous question monde qui partit également. Un gens après des haïtiens. Sous plan politique, sous question marchandage, visa, etc. Tout ça fait partie des bandades qui gagnent dans le pays. Alors maintenant, là, nous prenons question crise, la question insécurité, nous prenons son seul aspect pour venir, un aspect militaire, pour venir courir des bandits. Moi-même, moi, aller plus loin que ça. C'est un problème politique fondamentalement. Parce que pas une réponse militaire seulement. Et chaque fois où la police fait une opération dans une zone, il court des bandits, et bien il n'y a pas une capacité pour qu'il y ait des zones. Le bandit a tourné encore. Et peut-être l'étranger a réfléchi ça tout. Vini courir des bandits, et puis le bandit a venu ou aller, le con aller tourner même côté encore. Si vous n'avez pas une capacité pour que l'État occupe l'espace géographique là, comme ça doit. C'est pas occuper le sous-plan militaire, le sous-plan policier, mais occuper le sous-plan politique pour un service de l'État,
gen job, pou gen servis sosyal. Et bien, si nous pas fait ça, situation a toujours dégradé. Je dis à par exemple, il y a des zones qui gagnent gang, il y a des zones qui pas gagnent gang, mais ou des zones qui pas gagnent yo. C'est pourquoi yo pou gagner, mais pas aucun politique qui mène qu'empêcher bon yo arriver dans zone ça. Alors c'est tout un mécanisme pour envisager. Et bien, on parle de aide pour nous combattre la sécurité, les pas bagages militaires seulement, ils sont bagages sociaux, ils sont bagaille fondamentalement économique. Et si on veut bagaille qui ont aide, nous ne pouvons pas si c'est prêt, si c'est don, ils sont aide au développement global, non, mais il faut l'associer quoi avec capacité pour créer job dans le pays. Parce que si nous ne créons pas job, ou un bon jeune garçon, population extrêmement jeune, eh bien, il y a une tendance pour entrer dans le gangland comme une activité pour vivre. Alors, il faut garder tout paramètre ça, il y a parlé de insécurité pour ne pas être limité à une question d'armes pour courir derrière les trois grands bandits. Parce que, par là déjà, bandit aller, bandit tourner, on peut pépinière bandit qui l'a en permanence, c'est politique pays qui doit changer, qui doit adapter avec nouvelles situations socio-économiques mondiales, influence réseaux sociaux, etc. C'est tout ça que nous mettez en compte et c'est peut-être faiblesse qui est en demande. Gouvernement haïtien, c'est peut-être faiblesse qui a gagné tout dans la discussion au cap fait. Je peut-être pas avoir un interlocuteur qui comprend une question. Il est capable d'hésiter, puis venir, puis finir, il n'y a pas qu'à aller parce que la situation n'a pas vraiment amélioré. Qui fait que tout y a une ambiance, il y a tout un engagement, il y a tout une politique pour nous mettre en place pour nous non seulement combattre bandits, mais empêcher que la situation qui fait bandit à Blaïté, quoi, il continue dans le pays. Mais en fait, qui position même éventuellement par rapport à ou éventuel voie de force étrangère dans le pays d'Haïti pour aider et combattre la sécurité? Ou t'as ça de bonheur ou pas? Non, ouais, son plan très réaliste parce que pas fait politique avec émotion personnelle. On a consulté en tout le monde. Il faut que le pays a obtenu une aide. Yo wè yo dépassé par les événements. Même moun nan la police la, ap tan aide la, yo pense yo dépassé par les événements. Sauf que des moun qui ap illusionné tête yo, j'en pense aide la vini, moi même pas de problème pour nous recevoir aide, yon va avec bon nom, mais pour bien sécurité dans le pays, mais nous pouvons recevoir notre aide déjà pour nous passer mal. Par exemple, en 1994, il y a une intervention militaire qui était faite pour établir président Jean-Pierre Aristide sous pouvoir, mais il y a un bagage qui passe tout, qui à la source de ce qu'on a vu aujourd'hui, question crasée la mer. Parce que si chaque bon bagage qui a un problème, c'est crasé, on crasé, eh bien, on a toujours un déficit, toujours une incapacité pour nous faire face. Moi-même, je suis victime de quelques militaires, même pas une hostilité à l'institution que de la mer. C'est même chose que je dis. Donc, il y a un rapport qui a fait, qui a dit qu'un policier qui n'a pas gang. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que des policiers qui n'a pas gang, des policiers qui n'a pas bon, qu'on crase la police. Parce que si tout, nous gagnons, nous avons des aides, et puis nous ne faisons aucun effort pour renforcer l'institution, pour renforcer l'armée, pour renforcer la police, nous sommes toujours dépendants. Qui fait, si nous faisons aide, il faut aide là, limiter dans le temps. Faisons aide. Temporaire et faire nous gagner une évaluation de être nos besoins dans qui tu es la qu'elle est. Et donc, on a vu une situation difficile dans le monde pour faire des droits pour la taille. On n'a pas qu'à l'habiter toute la vie. On va dire, on a une bonne situation difficile là, comme 3 mois, comme 1 an, comme 6 mois. Il fait jeudi, c'est pas comme dans le moment d'on aide, mais on a tous ces étrangers pour décider combien de temps venir été ou bien qui j'ai à manifester aide y a pas là. Alors moi je pense que de toute faiblesse là yo nous pas gagner un noyau mon qui a réfléchi pour venir servir des interlocuteurs valables pour régler problème là de manière responsable et de manière durable et à court terme et à long terme pardon parce que nous on pas là à court terme mais faut situer dans le long terme parce que situation c'est compliqué là compliqué et faut nous conscient que nous sommes pays nous pas capable toujours à créer problème et puis de temps en temps on a dit voisin venez aider nous s'il vous plaît
et puis nous l'avons tout ça à la soupe. Même si on n'a pas de responsabilité par eux, mais nous sommes capables de poser une grande question. Pour qui ça, les autres ont fait en Haïti, on va faire dans notre pays. Si on va faire dans notre pays, c'est nous-mêmes qui ouvrons brèche là, c'est nous-mêmes qui créons une situation, qui fait que les bagailles ne sont pas correctes. Ce n'est pas pays par eux, c'est pays par nous. Et puis nous-mêmes, nous avons crasé l'autre, nous n'avons pas vivre l'autre. Nous, là, nous avons autorité, nous manquons au dégât. Et nous n'avons pas pour aller représenter le pays. Nous, avec Philippe Andélé, nous n'avons pas aucune force morale pour même parler avec l'interlocuteur qui est en face de nous. C'est dans ça qui fait qu'on pas qu'il faut. Premier effort, je vous dis, c'est faire un bilan de situation. Nous pouvons reconnaître faiblesse, nous, comportement, nous, et pour nous changer. Si nous pas changer d'attitude, eh bien, c'est. N'a pas sauté dans la pluie, n'a pas tombé dans la rivière, et c'est ça la pluie depuis quelques temps, parce que nous avons une force qui vient en 1994, qui vient en 2004, et puis combat de mission passée en Haïti. Il est clair que si tu as une solution sur le plan international, il n'y a pas là déjà. Mais ça va avec les choses, il n'y a pas qu'à dans nous, il y a un coup de main. Mais il faut que nous-mêmes nous attendons nous comment. Dans 7 minutes, M. Paul, sous question régime de sanctions, Nations Unies, les prend contre des gangs, on pas financé gagnants et que les pays ont commencé à appliquer, États-Unis, Canada, on parle là de sanctions contre des chefs de gangs, des millions de dollars sous tête. 4 chefs gangs, 4 millions, ça veut dire 1 million pour les gens qui sont capables d'informations pour capables d'arriver à capturer un chef de gang. Et puis, sanctions contre Yuri Latortue, ancien sénateur, responsable de parti et politique, ancien président du Sénat, et puis l'actuel président du Sénat, Joseph Lambert. Bon, moi-même, on va ça avec un peu de recul, parce que c'est exactement ces crises politiques-là, ces pertes souveraineté nationale là. Parce que ça est reproché aux citoyens, c'est des bagages que la loi haïtienne condamnée. Maintenant, quelle que soit la puissance du pays, il n'est pas capable de prendre des sanctions contre les citoyens du pays, ouais, sans avoir même pas mon dossier pour justifier qu'il y a raison pour les sanctions. Entendez, autorité américaine nous dit qu'il y a une preuve. Mais est-ce que l'État ici, est-ce que même pas, on est capable de dire, par courtoisie, il y a partagé information qu'il y a gagné avec l'État ici. Et si c'est vrai, citoyen, ça, il y a une personnalité, ça, il y a un impliqué dans ça, il y a une couche loi, eh bien, il faut que l'État ici, il faut que la justice haïtienne ait fait travail partout. Alors là, on a la merci de sa puissance à dire. Est-ce qu'ils font des est-ce qu'ils ne pas fondés? Comme dans la réalité, pas nous, nous combattons tout le temps. Et il y a aucun problème avec blanc suivant, si ça dit un bagage qui va dans l'intérêt, il n'y a pas de bravo pour lui. L'un dit un bagage qui visait ou bien qui abîmait, il y a un monde qui est considéré comme adversaire, pas aucun dépassement, pas aucun effort de solidarité nationale. Alors moi, je pense que toute question, ça a demandé pour nous virer différemment. Parce que si on a parlé de souveraineté nationale, et c'est depuis longtemps que ça là, c'est pas l'autre pays qui peut venir mettre l'autre la caille, nous pouvons arrêter, présumer délinquant la caille. Nous, que le dégoût délinquant, que le petit délinquant. Ça, c'est un problème, on a pas dit, de souveraineté nationale est majeur. C'est comme ça qu'on nous poser, et si on ne pas poser le comme ça, on n'a pas à côté, on a toujours été un pays qui a la merci de ça. L'autre monde a dit, quand vous voulez dire, est-ce que vous avez raison, tu as une raison. Et puis la vie continue, les réseaux sociaux ont fonctionné, tout le monde est content. Et puis Haïti dans tout bien. Mm-hmm. Et nous, comme nous avons parlé de l'inédition de la diplomatie haïtienne, nous avons dit même bagarre là pour la justice haïtienne. Est-ce que lui est capable en mesure pour ton dossier et comme ça, l'homme a fait du rebours
la caillou ou ce président pour les familles dans l'émission. Il y a quelques minutes, bien, mon entrée dans l'affaire, ça nous va pas faire, c'est un autre pays qui a fait pour nous, là, en l'occurrence, les États-Unis. On prend l'autre exemple, monsieur Paul. Le cas de l'enquête et sur l'assassinat de Jovenel Moïse, je viens, ça dit pratiquement au Pôle Nord et en Haïti. L'information que nous gagnons, c'est de l'étranger que nous gagnons, c'est la justice et la justice est américaine. La plupart de tel monde, il y a arrêté tel monde, il y a tel monde qui était dans un pays extradé aux États-Unis. C'est-à-dire, et ça qui a passé là, c'est même pas la qui a passé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Oui, c'est clair. Que la justice haïtienne t'a doué en mesure pour faire lumière sur, par exemple, ça. Mais nous plantateurs dans le sens que pas aucune institution va fonctionner, et c'est ça qui crise haïtienne, qui pas gagne un mais étranger, ou bien question chaque haïtien, c'est ça, on étranger dit, c'est ça, américain dit en particulier, c'est lui-même qui est censé faire quoi. Et la justice haïtienne, non, il n'y a pas fait aucune confiance, il y a un lambeau, la situation, et c'est pas crise là, tout ça c'est manifestation crise là. Mais crise là, tous les gagnants ont un aspect idéologique. Pour ne pas sous-estimer. Quel est le sentiment, l'ambiance de craser, briser? Moi, je pense que Fonsa, il faut qu'on sorte dans la pratique craser, briser. Hein? Qui craser tout le bagage? Il va craser physiquement des infrastructures, mais craser nous moralement, craser nous institutionnellement, craser nous en image, craser nous diplomatiquement. Même pas ce qu'on sorti dans la pratique craser, briser hein? Pour entrer dans la logique construction. Protection pour bagaille. Pour ne pas changer mentalité, changer comportement, sortir dans un discours négatif, violent, péjoratif, car mal orienté peuple là, publier un message patriotique, message de responsabilité, de respect, de solidarité, de progrès. Gagner plus passé 70 ans, madame Bonhomme, nous appagiter un vocabulaire, parole, piment bouc, agitation, violent. Méprisant tant que quand son fait, ou l'on comprend fait, tonton Makou, tiyet la lo, marché pour un yo, dife nan kaila, petit tic tic, léopa, kemakak, brata rouge, zengren do, a tout fait, la la la, bret patata, chimè, magouye, abonotio, assaillant, kidnappé, maman sans jour, grand griffe, chien méchant, ti makak, kokorat sans rat, ti malin, Aouna, Avisuel, Limena, Maozo, Zemi Kouzel, même dans le monde, ces paroles violentes, pirates, est-elle crasée, mamzelle? Alors que, dans le bagage matériel, il y a autant que Womack Machine, eh bien, moi, je suis en prison et bien, autant de parler de tête d'Est, de Zone 1, de Mercedes Patongouise. Je pense que nous avons besoin. Ils ont l'autre qualité. Discours, par exemple, ces derniers temps, tout le temps, il y a fait une différence entre esclave champ et esclave maison. C'est comme si un monde qui était esclave, il était choisi pour être esclave maison, pour être esclave des champs. C'est craché sur un monde qui était juif, souffrant, esclavage là. Parce que ce sont des discours très, 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 très faciles. Tout le monde qui était en esclavage qui souffrait, maintenant, il est difficile. Qu'on a fait une discrimination, on dit esclave champ, qui est esclave maison, alors que chaque esclave était des esclaves, et tout esclave qui était révolté était côté contribution, qu'on était sorti en bas du système esclavage. Alors, il y a plus de 20 ans, 24 ans, depuis mon père John Stéon, qui mourut du 4 janvier 1998, mais il y a un dernier album, L'Histoire, et puis Gonchon a écrit les Haïti Mélodies d'amour, et puis tout le temps, j'ai parole qui dit dans ce sens, qui n'a pas eu une attention haïtienne. Haïti n'a pas même qu'à penser, c'est vous le craser, c'est vous le gagner. Docteur Bijou, pays à fou, l'île à la boule, l'entrée dans le trou. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, c'est tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel Paul là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial.